Ah bah c'est pas l'été indien ce matin. Oh lolo. J'arrive, je suis à 5 mètres du lac Roca. Temps pourri, vraiment pas accueillant. Et puis... Ah, je viens surtout, c'est pour la rééducation de ma cheville, là. Cette belle entorse que je me suis fait il y a 14 jours. Alors là, il fait un temps dégueulasse. Je vous montre pas mes pieds, là. Je patauge dans la gadoue. Alors dans ces moments-là, il ne faut surtout pas penser à la couette, hein, au lit tout chaud que vous avez laissé derrière vous. Il faut se motiver. On va aller tout au bout là-bas. Allez, on se prépare vite fait. Mais alors, ce qu'il y a, quoi, c'est que j'ai amené mon tapis pour me changer par terre là-bas. Oh là là, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Ce n'est que de la boue, mais c'est très très instable. La bouée, elle est à 100 mètres. On va aller se motiver pour aller la chercher. Après, on va embrayer. Bon, là, ça remue pas trop, mais alors, par contre, ça pleut bien. Hein. Oh la vache! Bah, ce matin pour la cheville c'était excellent parce que comme vous le savez hein, pour les entorses le froid est très très conseillé et surtout la natation. Alors l'eau ce matin était elle a remonté, l'eau a remonté, pourtant il a fait très très froid le week-end dernier là. Elle était à 5,8. Je l'ai mesuré ce matin, 5,8. La cheville, ça lui a vraiment fait du bien. Visiblement, j'ai fait à peu près 1,8 km. Mais alors l'eau, oh là 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 là, je vous dis pas, l'eau commence à ça remuer un max.
Je vous dirai la distance et le chrono après. Mais un courant, oh là là, qui était contre moi sur tout le retour. Je me suis arrêté plusieurs fois en plus, j'ai eu des problèmes avec mes lunettes. Puis moi j'ai une première ce matin, j'avais mis une lumière dans ma bouée d'eau libre. Vous pouvez mettre une petite lumière comme ça à l'arrière là, je vous montre. Voilà, vous mettez ce genre de lampe. Vous la glissez dans votre bouée et puis tout l'ensemble orange est allumé. Ça permet d'être vu de loin. Enfin là, vu que j'étais tout seul cette nuit, c'était vraiment pour le fun, juste pour voir. Sinon, ça a fait du bien vraiment à la cheville, à nouveau, de retrouver le mouvement de battement de crawl. Puis alors là, croyez-moi un truc, la cheville, elle est bien froide là, impeccable. Comme je vous disais, je me suis battu, j'avais vraiment l'impression d'être en mer. Bon allez, je vous laisse. Faut que je récupère tout le matos. Non mais elle est pas belle la vie. En vacances, au chaud dans la voiture. On va aller se faire un bon petit déjeuner. C'est parti.